Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. On va faire une petite vidéo ultra rapide pour vous montrer comment on serre et où on enlève sa valve de gonflage sur une planche gonflable. Donc la valve, c'est super simple. Elle est faite de deux pièces, une pièce femelle et une pièce mâle. La pièce femelle comme ça, elle est dans la planche, mais elle n'est pas collée, elle est juste posée comme ça. On a un petit filtre pour éviter que les graviers tombent dans la planche. Donc voilà, cette pièce-là est dans la planche et après on a cette pièce-là. Donc, que vous connaissez de ce côté-là, qui est en fait juste le bouchon en fait, hein, pour gonfler et dégonfler la planche. Donc cette pièce-là, elle est vissée dans celle-ci. Voilà, et on prend le PVC en sandwich entre les deux pièces. Donc en fait, quand on veut démonter sa valve, ou la resserrer sans la démonter, parce que c'est vrai qu'il faut éviter de la démonter pour rien. Donc en fait, vous avez cet outil-là qui vous est livré dans la petite... dans la petite boîte orange qu'on livre avec toutes les planches gonflables. Donc l'idéal, c'est de le faire planche dégonflée, évidemment. On voit en fait à l'intérieur, ici, qu'il y a des petits ergots qui correspondent aux ergots qu'il y a ici, sur la clé. Donc c'est vrai qu'il faut les rentrer dedans et pas avoir peur de bien voir qu'on n'est pas juste au bord. Donc il faut bien le rentrer au fond, en fait, qu'on ne casse pas la clé ici. Donc vous le faites planche dégonflée, on a souvent quasiment toujours le boîtier qui est dessus, donc c'est assez pratique puisqu'en fait vous bloquez votre partie femelle avec vos genoux comme ça en le bloquant la planche vers le sol. En fait cette partie femelle, ça lui évite de glisser puisqu'en fait elle n'est pas collée à la planche. Et là il suffit de serrer, donc de bien rentrer sa poignée et de serrer comme ça, ou à l'inverse de desserrer. Voilà, donc là on sent quand même que c'est bien serré, donc voilà, pas hésiter à le serrer comme ça, sans serrer non plus trop fort, à prendre le risque de casser la clé. Donc ça sert en fait, si vous avez quelque chose qui tombe dans votre valve et que vous n'arrivez pas à enlever, ou alors tout simplement, avec le temps, il peut arriver que de temps à autre, il y ait des petites fuites sur toutes les planches gonflables, hein, toutes les marques même sont vendues avec ça, donc voilà, ça sert à resserrer votre valve tout simplement. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à nous contacter si ça ne l'est pas. Et on est toujours là pour ça. À bientôt. Ciao, ciao.